sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons faire une découverte sur Fairy Tail Dungeon. Je vous laisse la configuration, les langues ainsi que l'éditeur. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Il est déjà en français et ça, c'est une bonne chose. Comme toujours. Hein. Ok, ça sauvegarde automatiquement. Merci. Moi, j'ai un souci. Et là, j'ai... Arcadias qui va me tuer. C'est que je connais pas tous les personnages de Fairy Tail. Exemple, les chats, je les connais pas. À part P. Wendy, ça c'est bon. Oula, c'est quoi la bébête? Enfuis-toi, petit chat! Après avoir vécu nombreuses aventures et de batailles, la renommée de Fairy Tail, la guide des mages, n'est plus à faire. Heureusement, un jour, une mystérieuse porte apparut quelque part. Ok. Kokoro Natsu! Idas a disparu. Je ne sais même pas qui c'est. Il n'est pas le seul, c'est pareil pour les autres guides. Apparemment, je m'en fais pas trop pour lui. C'est bizarre. Et puis, c'est quoi ça? Tilluch. Qu'est-ce que... Il y a un truc qui sort. C'est quoi ce délire? On va se faire respirer. Et voilà. Ah oui, je vois la bébête, oui. Mais qu'est-ce qu'un Balkan fait ici? Prends ça! Yeah! Croc du dragon! Qu'est-ce qui arrive? Pas magie, la plus magie. C'est toi qui viens de nous aider? Pion. Le téléphone. Voilà, là c'est important. Regarde vite fait. Désolé. C'était important, c'était un appel par rapport à un désinfectant qui est en rupture de stock à pas mal de personnes. Et moi j'en ai besoin. Vous êtes Natsu et Happy? C'est qui on est? C'est louche? On s'est déjà croisé. Non, mon nom c'est Labi. Chat mystérieux. Après, je vous cache un peu le visage de Natsu en bas à droite, mais bon. Hop. Ok. Cobra métallique, ça me dit quelque chose, ça. Pas Gildard. Ah, c'est lui! Ah, oui, ok, oui, oui. Je vois maintenant. De toute façon, vous êtes intelligent, hein, vous pouvez lire et imaginer la voix de Natsu et Happy et n'importe quelle voix pour Nabi. Moi, je vois un peu comme ça, ouais. Faudrait qu'on mieux que vous ayez retrouvé vos pouvoirs avant. Voilà. Comme exemple. Un peu... sur la langue. Moi, j'aime bien avoir les chats avec cheveux sur la langue, ça m'éclate. Oh!
Une petite nanette. Ah! La colique. Cana. Moi, ouais, m'éclate. De toute façon, au pire, hein, je coupe. Hein. Ah, c'est Fall qui vient juste de passer. Carte point acier du feu du dragon, serre du feu du dragon. Ah, autre. Ok. Oups, pardon, j'étais un peu vite. Ok. Oui, je veux bien faire le tuto, s'il te plaît. Oh. Okay. Okay. Ah, ok, ça c'est en gros, ouais, il faut. Il faut rester dans la lumière, ok. Là, on se déplace de 1. Ok, il faut éviter. Ok. Là, on a 30. Oui, ils ont de la créma, oui. Magie, oui. Et grâce à cette lacryma, je peux déverrouiller quelque chose. Comme ici. Ok. Maintenir. Ok. Une nouvelle compétence. On va voir si je suis capable de gagner. Courage, là aussi une explication s'impose. Tu as ta santé, ce qui est normal, 100%. Et là, ta magie, à 3. Tu récupères toute ta magie au début de chaque tour. Ok. Tu commences chaque événement avec 4 cartes tirées au hasard de ton grimoire. Ok. Il faut de la magie pour utiliser celle-ci, ce qui est normal. Voici les coups qui se trouvent là. Ok. Choisis bien tes cartes. Je peux choisir le coup de poing, le coup de poing et le coup de poing. Et on maintient ou on appuie sur E pour agir. Coup de poing, coup de poing, coup de poing. Attaque plus, il s'est renforcé. Attention, il va attaquer. Tu peux consulter les attentions des monstres avec le mode détaillé. Ok. R, détail. Non. Ok. Blocage. Utilise les cartes magiques de style défense. Ok. Pour
augmenter ta valeur de blocage et te protéger des attaques des ennemis. Ta valeur de blocage serait 110 minutes de moitié pour à chaque tour. Ok, elle tombe pas à zéro. Donc là, normalement, il me reste 4. Divisé par 2, il m'en reste 2. Ok. Ben, il faut y connaître les combos. J'ai droit à tout. Oh, qu'il est beau le gardien. Ça va chauffer. Non, non, mais moi je veux... Voilà, c'est ça que je voulais. Ah, ok, tu peux quand. Peut-être que j'ignore les autres. Ok. Ah ok. Donc un mulligan. Ok. Allez, c'est parti.
mal, il est étourdi. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire? À part une nation. Ok. Ok. Oh, chiant. Une porte. Cool. Je crois que j'ai chopé le truc. Ok, tu recommenceras. Sois prudent. Cool. Ok. Sans qu'on... Ok. Allez, on part à l'aventure, labyrinthe. On peut choisir le personnage, genre, pour l'instant. On peut faire ça. Alors. Commençons par là. Et là. Parce qu'avec 12, je pense que c'est mort. On peut faire ça. Voilà. Et blocage. Comme ça, ça me fait 0. J'ai 0 en blocage. Il va attaquer à 6. On peut faire un blocage. Un coup de poing, un coup de pied. Il me reste 0, on va faire une action, prépare une action NFX ou pas. On peut faire ça, ça, ça te permettra de faire plus de dégâts. Et je pense que même qu'il mourra. Voilà. Oui, bah, je me doutais. Un événement. Vous avez trouvé un... on peut essayer. Bien. Oh. Ah, je le tue pas. Et on va faire comme ça. Dommage. Et un point de dégâts. Là.
Et c'est parti. C'est vilain. Voilà. Et c'est parti. Vu qu'il va mourir, autant en profiter. Poum. Victoire. Je... Le coup de poule. Et c'est parti. Super, merci. Coup de boule, c'est 16, ça fait 24, il meurt. Peux tout prendre, bah, je vais tout prendre. En 8%, oui. Choisis un personnage. Jean-Gilles! Panthère Lily. Voilà, chercher son nom, punaise. Arcadia Salive va me cracher dessus! La tête. 7. Si je fais ça. Non. Non. Allez, c'est parti. Zéro. On s'en fiche complètement parce qu'il est mort. Le coup de boule. Pardon du dragon de feu. Le gardien! Voilà, ça fera plus de dégâts et ça fait du bien. Salut toi! Ça va chauffer! Alors, il va déjà attaquer à 18, c'est énorme. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Ah oui, j'ai pas envie de perdre des points de vie pour rien.
Ah, il m'aide bien pour les combos. Hop là, 25. De toute façon, là, il te reste 5 points de vie. C'est parti. On a réussi! Yeah, une porte! Faut se repencher. Pas énorme, mais c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Allons-y. Oh, allô, tueur. Alors, si je fais ça, ça fait 25. On peut faire ça déjà. On va avoir des dégâts, mais bon. Hop. Le point. Yeah. Terre du dragon. Faire son action, faire 10 points de dégâts. Réfléchis, mais en fait j'aurais pu attaquer direct. Ouais. Provocation, ok. Come on! Ah oui, ok. Peu importe ce que je fais. Ok. On va en enlever un. Du dragon, serre du dragon. Cage. Et c'est parti. Ok. Non, moi je vais aller là. Ah, c'est une boutique. Je pouvais pas savoir.
Ah, c'est dommage. Allez, hop. Un point de vie. Ouais. Voilà. Et le coup de boule pour finir. Ah, j'avais mal calculé, ok. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas lui que je voulais prendre. Ah, c'est bête parce que j'ai pas. Pas assez de. Et c'est parti. Réfléchis pas trop, de toute façon. Il est mort. Le gardien. Aime le faire. Attaque à 14. Ça, je fais moitié dégâts. Allez, c'est parti. J'ai même pas fait attention à ce qu'il faisait. Ouf. Ça va les coups.
Hop là, c'est parti. Hop là. Normal. Ça lui fait 35 de dégâts. Et il est mouru. Un jeu d'enfant, oui. Ah, mon sac est plein. Ok. Alors, je vous laisse lire tranquillement et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte. Je vous laisse encore la configuration, les langues ainsi que l'éditeur. Ma foi, j'ai bien aimé. Oui. C'est pas mauvais et là, tu es obligé de passer sur. Sur ton passé, sur ton passé, sur moi. Ah, sur ton. Sur tes pas. Il est mort. Tranquille. Ah, ok. Hop là. Donc, ah. Esman. Ok. Allez, à la prochaine. Bisous.